this Duke King Julius style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre second test et découverte de la journée. Celui-ci portera sur un petit jeu qui se nomme Spellbound Survivor, petit Vampire Survivor-like, que nous allons nous découvrir en ce jour. Il est sorti le 29 décembre 2023, il y a moins 15% en ce moment, il est à 4,24€ au lieu de 4,99€, il est en français dans d'autres langues, il se joue en solo, la compatibilité manette est complète. Alors sachant que je suis allé dans les options pour paramétrer les touches vu que je vais jouer au clavier, il y a une touche réinitialisée, mais on peut pas rebinder les touches, ce qui est un peu bizarre. Enfin bref, on verra ça après. Donc bienvenue dans le monde fascinant de Spellbound Survivor, un jeu d'action roguelike, solo, embarqué pour une aventure épique, conquérez des cartes, acquérez de puissants pouvoirs et préparez-vous pour une confrontation ultime avec le formidable Overlord Wizard. Votre destin se dévoile dans ce monde impitoyable, sans doute. Eh bien écoute, on va aller découvrir tout cela dès maintenant, c'est parti. Ok, nous voilà sur l'écran d'accueil, donc les améliorations je vais pas en avoir. Je vais aller dans les options, je vais vous montrer, donc là j'ai mis plein d'écran parce que c'était fenêtré. La résolution ça va, alors là je peux rien faire du tout. Et pourtant il y a une touche réinitialisée. J'ai beau cliquoter sur mon clavier dans tous les sens, ça fait rien du tout. La musique est encore un peu forte, je vais baisser. Ici, bon, bah, j'ai mis en français, joystick, machin, séparé, viseur, on s'en fout. Donc on va faire commencer. On va partir avec le Ronin, vu que les autres classes, a priori, pour le moment, sont bloquées. On va confirmer. Et le reste aussi, c'est bloqué, donc on va aller dans la forêt mystique. Par contre, ouais, je vais devoir passer mon clavier en QWERTY. Ouais, c'est un peu space. Ça va, ouais, ça fait des attaques automatiques. Attends, ouais, d'accord, c'est genre jeu mobile. Je peux me déplacer avec mon curseur. Vas-y, je vais prendre le poison. Attends, c'est infâme comment je vais me déplacer avec les croix, enfin même pas les croix directionnelles, avec ZQSD. Je vais récupérer tout ça, je sais pas si ça on peut le péter. Voilà, ça file sûrement de la vie. On va éviter de leur mettre des coups pour rien dans ce cas là. On va redescendre par ici. Allez messieurs dames. Je suppose que la barre bleue en haut c'est mon XP et la petite barre jaune c'est sûrement ma vie. Canon, arme, orbite autour de vous, vous protégeant sous tous les angles. Bah, j'en vais tester, hein. Ah, j'ai pris un pet là. J'ai trouvé ma vie. Moi, ouais, je sais pas si c'est ça. Ah, ma vie, elle est en dessous de mon perso. Je sais pas si les orbes de vie restent au sol comme pour le reste. Si, a priori. Donc, je vais choper celle-là d'abord. Et donc la petite barre là, je sais pas ce que c'est. Hein. Ouais, il y a un temps pour dasher. Ah, je voulais tester Cannonball. Alors pareil, c'est chiant, c'est si ça ramasse la vie alors que j'en ai pas besoin, ça va être triste. Et on voit ma barre de dash. Qui se remplit en dessous. On va récupérer toutes ces orbes. Ah, je vais améliorer mon katana, les jeunes. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je suis invincible quand je... Quand je dash dans des ennemis, si je peux quand même prendre des dégâts. On va tester en bas hein, pour aller récupérer ça. Bon, ça a l'air d'être passé. Expander, objet. Augmente la portée de vos attaques. Alors, on va faire ça. Hein.
Ah, ça commence à être blindé là. On va bien aller récupérer l'orbe de vie. Ah, parce que là je suis en train de déguster les jeunes. Aïe. Ah, de l'armure. Ça va être nécessaire. On va essayer d'aller taper le truc là qu'il y a sur le côté. Alors les araignées ont l'air d'être un peu plus résistantes. J'ai pas l'impression d'avoir chopé de la vie là. On va essayer de trouver autre chose. Je vais pousser le curseur de ma petite souris. Ok, là-haut. Ouais, donc la barre rouge là qui est en train d'augmenter, je sais pas si c'est le niveau de difficulté dans ce cas-là, et j'ai pas l'impression que ça me refile de la vie là, les gènes. On va taper celui-ci pour voir. Ah non, c'est des pièces, ok. Je suis en train de ramasser des pièces depuis tout à l'heure. Ok, là. Peut-être aller de ce côté d'abord. Aïe. Pas mal d'orbes là, on va les prendre. Je vais pas faire long feu à ce rythme. J'ai récupéré un sac de pièces, super. Mais filez-moi de la vie là. Je peux faire cul. Ok. Améliorer ma vigueur. Ah, là où les jeunes. Ah bah enfin de la vie. Ok, bon je me concentre un peu là. Histoire de pas mourir au bout de 2 secondes. Ça, il y a une barre rouge qui vient d'apparaître en bas. Je sais pas si c'est un boss, les jeunes. Il y a peut-être des chances. Là, il y a des orbes vertes. Ah, oh, putain, j'ai pu lui. Il fait mal, ce con. Ah, poison. Ah bah je suis cané. Et moi qui fonce encore dedans. Quitter. J'ai voulu dash mais ça l'a pas fait. Unlock item, ok. Survivre 2 minutes. Avec n'importe quel personnage. Witch level boost, machin, compagnie. Ok, bah écoutez, on est reparti hein. Amélioration. Je sais pas si je peux 160, force, armure, max. Ouais, pour acheter. Voilà, ok, donc petite étoile. Je peux pas aller plus loin, j'ai pas de sous. Les succès, ils sont là, mais on va pas se spoil les autres. Et je peux recommencer, c'est parti. On est toujours dans la forêt. Ok. Alors, l'espèce d'ultimate là qu'on débloque. Il faudrait que j'arrive à m'en servir quand il y a... beaucoup de monde autour de moi là, mais bon. Ah, je vais reprendre le poison. Hein. On va coller tout ça. Boost d'XP, oui, je veux. Passez par ici s'il vous plaît. Et l'ultimate s'il met du temps à charger. Je pense que je vais attendre que le boss soit là.
On peut tester. Je vais déjà prendre le tranchant de ma lame. Et après, on testera les dagues. C'est vrai qu'ils se pactent un peu là. Ok, bon, on avait dit qu'on testerait les dagues. Ok. Vortex, forme une barrière protectrice blessant les ennemis proches. Allez, c'est parti. Ce sera nécessaire pour le boss là. C'est vrai qu'au final, ça je peux les taper aussi. Espèce de cristaux verts. Au pire des cas, si c'est de la vie, je la laisse au sol. Ok, je vais augmenter mes PV. Il y a masse XP de l'autre côté. On va essayer de la rouper par ici. Ok, monsieur là. Ah, c'est vrai qu'il nous faut des sous pour acheter des améliorations. On va choper ça là. Ok, la vie encore. Ça met du temps là pour augmenter mes petits spells. Passer par ici, je repasserai en bas après. Hein. Ok, il y en a plein. Ok, boost d'XP encore. Putain, je suis pourchassé par une famille d'araignées là. J'ai mon ultimate. J'espère que j'ai pas regretté. Ok, la vitesse de déplacement. Aïe. Ah, ça met du temps à monter là. Hein. Mais c'est pas faute de ramasser des orbes. Augmente les dégâts, augmente la portée. On va commencer par faire ça. J'aimerais bien augmenter mon aura autour de moi là qui me protège. Ah, font mal ces bouts là, ça. Ah, bon, loin même. Augmenter le poison. Oh, putain, j'ai plus de vie. Ah, déconner quoi. On va chercher de la vie là. Je sais pas si je vais en trouver, mais bon. Ah bah, il est là le boss, super. Ils me remettent dessus. Là. Je vais me prendre des dégâts. C'est chaud, hein.
Voilà, s'il vous plaît. Putain, ne filez pas des pièces. Pour le peu que j'ai une orbe, un missile électrique du boss qui pop là sur l'écran. Et je suis dans le caca. Faudrait que mon perso arrive à récupérer de la vie et que son ulti se termine. Déjà. Je prends un pet et je meurs. Ah, foutez de moi quoi. Ah, donnez-moi de la vie s'il vous plaît. Ouais, merci. C'est pas trop ça, mais bon. Ok, on évite. Là. On va essayer d'aller le... Putain, je crois que je vais rien enlever comme vie. Hein. Si c'est sa barre de vie en bas, la barre rouge, ça va être compliqué. Là, j'ai mon ulti, faudrait que j'aille le voir. Il faudrait que j'arrive à choper des orbes aussi, ce serait pas mal. Ah, il est là. Ah, c'est bien sa vie, hein. Tiens, on va continuer d'éviter comme ça. Hein. Ah putain, je l'ai senti venir. Ah, donne-moi de la vie là. Yes. Faut qu'on arrive à la tirer en bas. Ou que je retourne le voir. Ouais. En fait, plus je suis près de lui, et plus ses orbes ils me les envoient loin. Donc, faut que j'arrive à jongler comme ça, hein, et que je fasse du dégât avec mon bouclier que j'ai pas amélioré. Là, malheureusement, je me suis décalé trop tôt. Ah merde, et je me suis fait avoir. Je sais pas si j'aurais pu revenir dedans. Bah écoutez, je vais retenter d'aller le voir. Hein. Résultat, ouais, ok, super, amélioration. Augmente les dégâts infligés. L'armure. Le temps de recharge. Réduit le temps de recharge des armes. Ouais, je vais acheter ça. Augmente le rayon d'attaque. Augmente la durée des armes. Là, c'est 1000. Sur une attaque supplémentaire sur toutes les armes. Putain, c'est 1000. C'est chaud, hein. L'aimant. On va peut-être commencer par acheter ça, ouais. Ah non, c'est 200, je peux pas. Ah si, non, c'est bon, je l'ai acheté une première fois. Ok. Retour, bah j'y retourne. Hein. Et toujours avec le pépère. Je sais pas ce qu'il faut. Ah ouais, ok, d'accord, ça s'achète les persos. Unlock, condition atteignée, le niveau 5 avec la dague. Ok. Bon, on débloquera Raven après si on peut, mais bon. Et donc là, ça s'achète, atteignez 15 avec le havre de pluie. Ah bah j'y suis encore loin, je sais pas quel niveau je suis. Ah bah écoutez, c'est parti messieurs dames, on se retrouve pour le boss. Hein. Ok les murs, je vous reprends. Là j'ai le laser, on va le tester. J'ai repris mon orbe autour, donc je peux foncer dans les squelettes tranquillou bidou. Peut-être que ouais, le laser, ça me permettra peut-être de taper sur le boss à distance, donc ce qui sera aussi en soi une bonne chose. Ok, mur, le boss a pop, j'ai perdu un peu de vie, j'ai amélioré deux fois le rayon de mon aura protectrice, là, je viens de prendre tarot avec ce con de boss. Ah, faut que j'arrive à trouver de quoi me soigner, et ensuite on va aller l'affronter. Il faut que je fasse gaffe à ces tirs électriques là. Ouais, forcément, il me pop dessus. Là, il y a une petite fiole de son, les jeunes. On va déjà commencer par faire ça, puis je vais commencer à lui mettre des... Ah, je peux faire ça aussi. On va le trancher direct. Hein. Ouais, il a quasiment plus de vie. Nickel.
Putain, quel con, je reste dedans, moi. Oh, vous déconnez, mais c'est pas possible, quoi. Et j'ai rien récupéré comme or, quoi. C'est abusé. Unprovising terror. Ouais, putain, vous déconnez. Je crois que j'ai même pas assez pour m'acheter un nouveau perso, là. Ah si, juste assez. Ah, je vais économiser. Bon, écoutez, j'y retourne, mais ce sera la dernière. Je suis dégoûté, j'avais un bon start. Hop, faut que je recommence tout depuis le début, je suis dégoûté. Ok, mur, j'ai pas mon aura protectrice, là. On est près du boss. Putain, alors, moi, je vais en plein dedans. Ah, putain... Ah, j'y crois pas, ma Z. Bah écoutez, tant pis, hein. Putain, je fonce dedans, je reste dessus et c'est une catastrophe. Bon, de toute façon, il faudra refaire des runs et des runs. Peut-être s'améliorer aussi. Je suis à 420. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est déjà une petite amélioration au niveau de. La santé, ça va être 200 direct. Pareil pour la vie. La force, l'armure, machin, la récupération. Je peux peut-être faire un peu de récupération de PV, les jeunes. On va aller ici, on va se débloquer le nouveau perso. Quitte à le tester pour voir. Ouais, il commence avec le poison. Tout à l'heure, j'avais deux fioles de poison qui pétaient et j'ai pas eu l'aura. J'aimerais bien le tester. Et on a débloqué une nouvelle zone. Préparez-vous à l'apocalypse zombie, survivez aux hordes de morts vivants. Bah écoutez, on va faire ça avec lui. Et on va tester la zone. Hein. Ok, bon, il m'envoie du poison de façon un peu aléatoire. Et où il faut pas, quoi. Et s'il m'envoie ça à l'autre bout, j'ai pas fini. Ah, je prends de la vie, j'en ai pas besoin. Ah, ça va être top. Hein. Il les tue pas vite. Hein. Ça aurait pu être un peu boosté. Et le fait qu'on puisse pas. Là, je peux pas choisir où mes fioles tombent. Et j'espère qu'il a pas le même pouvoir que l'autre. Hein. Si son ultime c'est le même, c'est chaud quoi. Là, il y a ma zombie, j'arrive même pas à les taper et à récupérer de l'XP. Vous voulez que je fasse quoi Ouais, j'ai un tas de zombies derrière moi. Et les fioles de poison, elles partent en dehors du visu, quoi. Mais ouais, mais elles partent à l'autre bout, tes fioles de poison. J'ai déjà récupéré ça. Et je vais prendre le laser. Hein. J'ai pas de chance. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux, là, pour en taper... plein d'un coup. Enfin, j'ai perdu masse vie d'un coup aussi. Je sais pas si... Oh non, je peux pas passer à travers le mur. Et là, c'est de l'argent. Ah, je vais augmenter mon laser. Hein. Ah ouais, deux lasers, c'est bien ça. Ah, on va peut-être pouvoir s'en sortir un peu mieux maintenant. Je sais pas si le boss va être le même. Là, ce qui serait bien, c'est que j'aille récupérer de la vie plutôt que d'en perdre. Allez, les jeunes, ulti. Ah ouais, il explose du poison de partout. Avec une grosse explosion pour finir, ouais, plus de PV. On va prendre un coup de katana aussi. Je fais comment pour passer au-dessus là par contre? J'ai amélioré mon laser. Là j'en ai des orbes. Mais par contre, ouais, j'ai l'impression d'être bloqué dans un couloir. Il y a moi qui ai une entrée quelque part là, mais c'est un peu compliqué pour aller chercher ce qu'il y a en haut et en bas quoi. Bon, un peu de soin, c'est pas de refuge. Ah ouais, faut que je prenne les escaliers. Voilà, je vais prendre ça pour la distance.
Putain, ça va être compliqué la zone. Et eux, je comprends pas qu'ils passent à travers les murs. Moi, je peux pas. Donc, je suis bloqué dans un petit couloir là, ce qui est assez chaud. Mais eux, c'est tranquille ou bilou quoi. Oh, le katana. Faudrait que j'arrive à aller là où il y a plus de place, comme ici. Après l'Xpero, c'est un peu tendu, mais bon. Bon, là, je peux même pas passer avec la petite barrière. On va repasser par là, hein. Le vortex. Ah oui, je prends. Ah, donne-moi de la vie, s'il te plaît. On s'empile des sous. Je peux rester un peu plus sur place, les jeunes. Je vais augmenter mon poison, ce serait peut-être bien vu que c'est mon arme principale. Bon, faut que j'arrive à trouver de la vie partout. Ok, j'ai mon ulti. J'aime bien attendre que le boss arrive pour lui faire masse dégâts avec, ce serait bien. Ouais, réduire les dégâts qui nous sont infligés, ce serait pas mal. Ok, il est là. Il y a un Nexus. On peut pouvoir aller le taper et récupérer un des pièces d'or. Merci. Ouais, je suis un foufou, je repasse par là. Ok, il y a mon sac d'or qui m'attend. Faut qu'on trouve un chemin pour passer au-dessus alors. Ah, la zone là, elle va être tout tendue. Ah, il y a le boss, il arrive. Déjà, j'ai récupéré de la vie, c'est une bonne chose. Et je vais faire pareil que toi, mon coco. Par contre, faut que j'évite ces boules qui vont dans tous les sens là. Et vu qu'il y a des murs, ça rebondit de partout. Bah, vous déconnez. Ah, c'est chaud, Mazette. Hein. Va falloir s'améliorer à fond. Bah, écoutez, voilà. C'était Spellbound Survivor. J'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je tiens encore une fois à remercier le studio de développement Toasted Squad de Studio de m'avoir gentiment fourni une petite clé pour vous présenter ce jeu. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas parlé du studio de développement et d'édition au début, donc là, bah, c'est fait. Et si vous voulez pas louper nos prochaines tentatives et autres let's play sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Excellent. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.